Et bonjour à tous, c'est Brassos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity. Alors pour l'épisode 16 de Petit Let's Play, alors séquence 10 mémoire 2, on va directement commencer l'exécution. Ok, on va exécuter, on va. Il y a quelqu'un qui va exécuter, qui va être exécuté plutôt. C'est plus français. Alors. Ils sont en train d'amener le roi. Tu es sûr que Germain sera là? Oui, j'en suis certain. Alors qu'est-ce qu'on attend? Séparons-nous. On couvrira davantage de terrain. Amenez le condamné! Wow, il y a du monde. Assassiner Germain. Ok. Faire niquer. Quel est le châtiment promis à tous les citoyens? Oh non, bouffable! Seigneur, comme tout le monde. Merci. C'est chaud, ça reste. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Désolé si je parle pas beaucoup. Hein. C'est vrai que on a tendance à se concentrer un peu. Ah ah. Bonjour Arnaud. Monsieur Germain,
Ce n'est que justice que tu assistes à la renaissance de l'ordre des Templiers. Après tout, tu étais là lors de sa conception. Le cieux de la serre. Oh, j'ai tenté de lui ouvrir les yeux. L'ordre était gagné par la corruption, aveuglé par ses pouvoirs et ses privilèges. Mais vous, vous pouviez le réformer, le remodeler. Il suffisait d'en tuer le chef, c'est ça? Non, la mort de Delacer ne fut que la première étape. Tu assistes à l'aboutissement. Je meurs innocent. Messieurs, je suis innocent de tout ce dont on m'inculpe. Je souhaite que mon sang puisse cimenter le bonheur des Français. Le roi n'est rien de plus qu'un symbole. Les symboles inspirent la crainte, et la crainte inspire le contrôle. Mais les hommes finissent toujours par se défaire de leur crainte. Telle est la vérité pour laquelle a péri. Le droit divin des rois n'est rien de moins que le reflet du soleil sur l'or. Et lorsque la couronne et la mitre tombent en poussière, ce sont ceux qui contrôlent l'or qui forgent l'avenir. Oh, c'est bien. Monte la tête comme ça. Profite de cette journée. Tu es là. Allez. Oh. Quelle belle entrée en scène. Qu'est-ce que tu fais? Rattrape-le. Je refuse de te laisser mourir. Protéger le grand maître. Tu es là. Élise, il faut partir. Je m'occupe d'eux. Rattrape Firmin. Élise. Non, je parle de question. Voilà. Ouf. Désolé, je l'ai poussé. Bon. En voilà d'autres. Je me dis, en deux secondes, tu les tues. Ils n'en vaut pas la peine. Hop, on fout. Sois raisonnable. Oh, bah ça, tu ne peux pas en affronter autant. En fait, faut pas affronter les autres. Allez, on la suit. Allez, affronte là. Ouais, merci. Carton, c'est terminé. Dépêche-toi, il s'éloigne. Allez, hop, on la suit. Allez, on va la rechercher. Il est parti. C'est pas vrai. C'était notre seule chance. Rien n'est perdu. Et confiance, nous retrouverons son. Non, c'est fini. Tu crois qu'il sera négligent maintenant qu'il sait qu'on est sur sa piste? Tu avais une occasion en or de le tuer et tu as refusé de la saisir. Pour te sauver la vie. Je n'ai pas besoin que tu me sauves. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis prête à tout risquer pour tuer Germain. Si tu n'as pas assez de courage pour te venger, alors je me passerai de ton aide. Élise. Élise. Ah là là. Ah, c'est l'exécution de 8-16. Marqué. Ok, donc... 11, ok, donc on va faire une autre. Ouais, allez hop, ça, si tu veux, voilà.
après, ici. Conseil de discipline. Hop, on les a placés. Alors attendez, on va chercher un petit coup. Notre argent. Et hop. Très bonne journée à tous. Hop, ça remplit. Ça remplit les poches. Qu'est-ce que tu te mêles ? Je n'ai pas à vous écouter. Ah. Hop, dégage. Je ne sais pas de quoi il s'agit, donc ma présence n'est pas indispensable. Hop là, ici. Allez. Apparemment, j'espère qu'il fait rentrer. Je sais pas s'il fait rentrer, mais bon. C'est bon, allez. Bonjour mon ami. C'est ça. What the fuck? C'est bizarre. Chargement. Que diable s'est-il passé sur la place de la Révolution aujourd'hui ? Germain était là. Je connais désormais ses projets. Vous devez... Nous t'avions dit de rester à l'écart de cette enquête. Je sais, mais écoutez... Je sais, mais écoutez ? Est-ce là l'estime que tu témoignes à la confrérie ? Ton attitude ne me surprend pas. J'avais dit à Mirabeau que seule la vengeance comptait à tes yeux. C'est pour ça que j'ai rejoint la confrérie. Oui. Non parce que tu partageais nos idéaux ou par sens du devoir. Pour te venger. Pour trouver la rédemption. Ne joue pas sur les mots. Tu n'as cessé de désobéir aux ordres du Conseil. Tu as traqué des cibles sans sa permission et foulé aux pieds le credo à chacun de tes pas. Maître Trenet. À la lumière de ces actes, je n'ai d'autre choix que de demander un vote d'expulsion. Maître Bélier. J'approuve. Qu'est-ce que... Maître Kemar. J'approuve. Arnaud Dorian, tu n'es plus des nôtres. Ton rang et ton titre te sont retirés et tu es désormais à jamais exclu de la confrérie de Paris. Vous êtes devenu fou. Écoutez-moi, je sais ce que prépare Germain. Je peux l'en empêcher. La décision de ce conseil est sans appel. Tu peux partir maintenant. Alors, donc, bon, de toute façon, on n'a pas besoin d'eux. Pour réussir notre mission, nous, on s'en fout, on va se venger. Mais bon. Allez, dépêche-toi. Sauvegarder. D'ailleurs, on a terminé la séquence 10. Donc, il nous reste deux encore séquences. Versailles, 4 juin 1993. Oh, il n'y a plus rien. Tout est vide. Ah, ok. What the fuck? Non. Non.
Où est-elle? Le camp d'ici. Mais... Dehors! Tu as causé assez d'ennuis pour ce soir. Très bien. Alors dans ce cas, j'irai trouver du vin ailleurs. Oh, ok. Oh, c'est trop zarbi, mais ok. Ça fait quoi si on se bat? Ne bouge pas. Tu essaies de faire le tir à bras sur mon territoire, c'est ça? Oh là là, c'est mieux. On s'en fout, toi. Je suis toujours là pour... On s'en fout, toi. Ça va. Oh putain. C'était la nuit dernière. Je l'ai peut-être laissé là-bas. Ouais, du coup, faut retourner là-bas. Ouais, du coup, le temps, les Mossad et tout. Je sais pas si c'est fait exprès, mais. Comme par hasard, il pleut. Jamais vu qu'il pleuvait en fait. Cette crapule de la couche. Hey, reviens ici. Ah, ça fait mal. La touche. Si je te mets ce chien. Non, on dirait c'est que là. Les gens se sont battus. Oh Seigneur, non pas toi. Tu n'as pas causé assez de dégâts hier soir. Non, c'est juste que... La montre de mon père, vous ne l'auriez pas vue? Non, je n'ai rien vu. Si tu allais demander à l'un des quatre gars avec qui tu t'es battu. Idiot. Des quatre gars, donc faut que je me rappelle. Allez. Attention! À ta place, je ferai pas ça, mon gars. La ferme, le vieux. Oh! Donc là, il faut que je me batte. Contre les quatre. Wouhou! Là en fait il y a même pas de vie parce que je vois pas ma vie. Bon.
Et hop, dehors. C'est lui qui l'a pris, hop. On va se venger. C'est lui. Toi. Oh. Dis-moi où est ton chef. Oh, diable. Revenez ici. Le stock-clé. Ah, oh, mais allez. Plaqué au sol. Oh, que ça a changé. Allez. Où est-il? Au palais. Ils sont au palais. Merci. Alors, n'hésitez pas à liker ma page Facebook, mon Twitter, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner. Je ne me rappelle plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo. Je me rappelle plus, je pense pas. Je suis pas sûr. Lui là. Oh non. Genre. Oh, faut que j'aille. J'espère qu'ils ont des potions. Remède déjà. Cool. Alors, des potions, m'en fous les autres. Bon, je saute pas encore. Ah, cool, je trouve encore un autre mec.
C'est dégueulasse ce bruit. Hein. L'autre ça va, il pissait ? Non. Arrête. Il pissait. Mais il a plus de respect, le mec. Ah, en plus, il revoit des trucs. C'est cool. Ah, il peut pas. Là, elle s'est abusée. Ah, ok, c'est là. Cador. Mais nique ta race. Viens mourir au dos. Voilà. Tu n'as aucune chance. Oh. Encore. Ça croit bon t'enfuir. On est maître dans ces rues. Voilà. Ah oui, ça, c'est tout au début. Oui, père. Tuer.
maman. Pas grave. Boum. Oui, on l'a tué, c'est pas grave. Allez, hop, on tue. Voilà. Tarasse. J'espère pour toi que t'as une potion. Une potion, allez, s'il vous plaît, une potion. Une petite potion pour la dernière. Ah, remède, cool. Une potion, remède, c'est pareil. Interagir, voilà. Il l'a pas. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Elise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir. Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain. Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur. Et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Et voilà, on est terminé. 37 minutes, ok. Séquence 11, mémoire 1 terminée. Alors, voilà, on va continuer. C'est bon, allez. On a terminé. Alors, j'espère que ça vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut. Saigne la révolution à blanc.